the Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this Caballero? The Emperor of the Far West, when he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il n'a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. De Grass Valley, Jolly. Tu pourras te reposer. Il était temps. J'ai les fers chauffés à blanc. Tiens, des moutons. Plutôt rares dans l'Ouest. Heureusement. Qu'y a-t-il de plus bête qu'un troupeau de moutons? À part un rentemplant. Tiens, un élevage de caniches. C'est plutôt rare dans l'Ouest. Bob, je te jure que tu seras vengé, Bob. Des problèmes, l'ami? La bête a dévoré Bob. Elle me dévore, un mouton par jour. Bel appétit. De quoi a-t-elle l'air, cette bête? Je n'ai jamais pu la voir. Elle agit la nuit et le matin. Je ne trouve qu'une patte, un sabot, un bout de queue. Bob! Ça alors, des caniches qui broutent de l'herbe. Pas mauvais. Oh mais vous avez un chien? Voilà ce qu'il me faudrait pour défendre mes moutons. Vendez-le-moi. Rentemplant n'est pas à vendre. Et ce qu'il vous faut, c'est plutôt un shérif. Car il semble que cette bête efface ses traces. Étranger, nous avons des steaks pour te remplir le ventre. Ou du plomb. Charmant. Mort au mouton! On a l'air plutôt porté sur la vache que sur le mouton ici. En Amérique, sur le barbecue, il y a de la place pour tous. Bernoz, retourne à tes moutons, tu n'as rien à faire ici! C'est qui, lui? Ici, étranger, les amis des moutons sont nos ennemis. Lucky Luke, omnivore de passage, et intrigué par cette mystérieuse bête. On l'avait prévu! Ouais, on lui avait dit que s'il s'installait dans le coin, la bête de l'Alabama boufferait ses moutons les uns après les autres. Et la loi? Qu'en pense-t-elle de cette mystérieuse bête qui dévore les moutons, hein? La loi? Les moutons, c'est pas ses oignons! Hein? Eh, mon petit Pete? Oui, monsieur Codemit. Si la bête s'attaque aux vaches, alors là, j'interviendrai. Je croyais que la loi était la même pour tous. Ici, la loi, c'est le bœuf! Eh bien, on va s'en occuper de cette bête. Hein, Birdnose? C'est qu'elle est rusée, hein? Et cruelle. Et assez intelligente pour effacer ses traces. On dirait que dans le coin, il n'y a que la bête pour apprécier vos moutons, Birdnose. Un jour, bœuf et mouton seront copains comme cochons. Lucky Luke ou pas, ça change rien. Venez! Mon petit Pete, faudra nous tenir ce cow-boy à l'œil. Comptez sur moi, monsieur Colmy. Je ne le perdrai pas des yeux. Quelle pauvreté de langage! Je me demande combien il y a de caniches dans cet élevage. Je vais les compter. 1, 2, 3, 4. 5, 7 et 12. Oh. Tiens, tiens, on dirait que notre bestiole est myope comme une taupe. Ah.
Je veillais sur votre sécurité. Vous tombez à pic. J'ai trouvé cette paire de lunettes. Oh, des lunettes de Turniprout. Ben, qu'est-ce qu'elles font là? Allons lui demander. Mais, monsieur Luc, vous pensez qu'il est vraiment nécessaire de déranger ce brave monsieur Turniprout? Il est très occupé, vous savez. Je déteste les moutons. Les moutons, ils mangent des salades et moi, je cultive des salades. Mais de là à m'accuser de faire la bête... C'est pas moi, monsieur Turniprout. C'est lui. Arrêtez vos salades, Turniprout. Comment expliquez-vous la présence de vos lunettes sur les terres de Birdnose? J'ai rien fait, hein. Et en plus, je dirai rien. Shérif! Emprisonné, monsieur Turniprout? Mais vous n'y pensez pas. Suspect, garde à vue, faites votre devoir. Oui. Et alors là, le peintre dit au croque-mort, si vous me faites un prix, je vous fais une nature morte. Je m'efforcerai de rendre votre séjour aussi agréable que possible, monsieur Turniprout. Vous enfermez les braves gens, mais la bête court toujours. Venez! Stock. Hermit, vous savez bien que je suis allergique à la laine. Et raison de plus pour nous débarrasser de ces sales moutons. Pac-Man, fais disparaître le corps. La bête est revenue et a dévoré Brad. Cette bête n'existera que quand je l'aurai vue. Oh, l'épicier Footstock l'a vue cette nuit même. Je me promenais dans la lande quand je l'ai vue. Grosse comme une montagne. Une gueule, les yeux qui lancent des éclairs, des dents comme des sabres, des biceps énormes. C'est la bête qui vous a mis dans cet état? Non, non, c'est un mouton. À peine la bête disparue, j'ai été agressé par un mouton. Il m'a poursuivi jusqu'à chez moi. Il sentait que je suis allergique aux moutons. Oh, enfin, ces animaux ne respectent rien. C'est vrai, j'ai entendu Footstock crier, j'ai accouru et j'ai vu un mouton s'enfuir par la fenêtre. Vous le reconnaîtriez? C'est lui! Qu'as-tu à dire pour ta défense? Vous n'allez pas interroger un mouton? Je fais mon devoir. Eh bien, Bruce, défends-toi! Dis quelque chose! Vous vous en tirez à bon compte avec une amende, Burnous. Surveillez vos moutons maintenant. Vous voyez ce qu'il nous reste à faire, Burnose? Eh oui, nous pourrions dresser votre chien pour protéger mes moutons de la bête. Vous ne voyez pas qu'il se moque de vous? Les éleveurs de bœufs se sont toujours moqués des éleveurs de moutons. Mais je ne désespère pas de leur prouver que le mouton est aussi noble que le bœuf. Est-ce que c'est moi, messieurs? Est-ce que c'est bien ici qu'il y a une bête qui terrorise la région? Ed Wamgen, le célèbre chasseur de fauves. Là où il y a une bête, il y a Wamgen. Le mouton. Une telle bêtise, c'est presque magique. Et non, pas le bâton, le mouton. Il a l'air content. Et c'est le mouton qui s'éloigne que tu dois rapporter. Le mouton. Tu vois, le mouton. Ouh. Ouh. On joue plus? Je peux aller brouter avec les caniches? Et on peut toujours espérer qu'il donne l'alarme. On peut toujours. Birdnose, auriez-vous un mouton pour faire la chèvre?
Technique de chasse au tigre éléphant du Bengale. Also, le mouton Bill attire le fauve qui tombe dans la fosse. Ce serait pas plus simple de se débarrasser de Bird Nose une fois pour toutes. Hé, hey, nous ne sommes pas des bêtes sauvages, Blacksmith. Ah, pourquoi il ne bêle pas? Vous ne voulez pas bêler? Je ne me sens pas très mouton. Bé! Il y en a un isolé là-bas. Et enroué, hein? Hein? Oh, pardon. Ah, écoutez, on vient. Birdnose, que faites-vous ici? Je viens prendre des nouvelles de Zachary. Chut! L'affût doit se faire dans les silences les plus comblés. Eh bien, on voit que c'est pas vos moutons, Wargum. Tout va bien, Zachary? Taissez-vous et planquez-vous! Oh, mais j'aimerais bien vous y voir, hein, si vous étiez à sa place. Silence! Ah, je suis touché. Oh non. Sur quoi ils ont tiré? Je vais voir. Ne bougez pas. Ça y est, il bêle. Une chose fière. Finis, Birdnose. On m'a appelé? C'est une blague stupide, surtout à votre âge. Quel chien idiot et sans flair. Sans flair? Moi? Vous allez voir. Ah, il a flairé quelque chose. Il va vers le troupeau. Incroyable. Ah, c'est la bête! Laissez-la moi! Mes moutons! Ah, vous allez blesser mes moutons! Mais c'est mon fusil! Hein? Tiens, tiens, voilà une drôle de bête. Vous alliez aux champignons? Ah non, je chassais la bête. Vous m'avez convaincu du danger qu'elle représentait. Seul avec un couteau contre un monstre gros comme une montagne? Quel courage! Parfois, le chien regrette d'avoir du flair. Je vois que vous êtes assez nombreux, vous n'avez pas besoin de moi. Eh bien, je vous laisse à vos moutons. Vous voyez, monsieur Luc, il ne faut pas désespérer du genre humain. Bientôt, les moutons et les vaches se mélangeront. Ça fera des mouches. Des moutons qui se mélangent avec des vaches, ça fait des mouches. Oh, bon, retournons à l'affût, la nuit n'est pas finie. Ah, les jours ont compté. Elle n'a pas eu le temps d'effacer des traces. Un truc me chiffonne, Wormgun. Une bête qui mange un mouton par jour. Où sont ses excréments? Elle n'en fait pas. C'est pour ça qu'elle est très méchante. Faites attention, j'ai posé des pièges. Ils ont marqué d'un bâton. J'ai acheté le bâton? Il faudrait un chien pour surveiller votre chien. Ah, regarde!
regardez, les traces d'un animal inconnu. Trois orteils, près de 4 mètres, 2 anguillos. Et ça marche sur deux pattes. Le trophée du siècle. Vous voyez, monsieur Luc, la bête existe vraiment. Pas très catholique, ces traces. Foi dessus. Mais, ils approchent. À toi, mon petit Pete. On va leur filer la pétanche du siècle. Je suis la honte de ma profession. N'approchez pas. La bête est dans le bois. Mais justement, c'est la mort certaine. Vous n'approcherez pas. Le grand jeu maintenant. Vous allez les voir détaler comme des lapins. Venez, vous autres. Responsable de la fumée. C'est Colt Beat. Il a une idée des narines fumantes. Elle tousse. Elle a peut-être avalé un mouton de travers. Oh, un mouton. Ah, moi aussi alors, hein? Non, non. Il tire. On se tire. Il n'y a jamais vu des traces aussi étranges. Un monstre de l'enfer. Les traces se perdent dans les rochers, là-bas. Chiffé. Moi, je vais surveiller mon troupeau. Allons annoncer la bonne nouvelle à vos concitoyens. Quelle bonne nouvelle? Ils avaient raison. Ah, elle existe vraiment. Tu aurais vu sa tête. Vous êtes coupé en vous rasant, Blacksmith? C'est-à-dire que j'ai un très très grand rasoir et... Alors vous l'avez enfin vu, hein? La bête? Oh là, affreux. Les monstres du carnaval m'ont toujours impressionné. Elle a attaqué Blacksmith. Ces moutons sont un danger public. Ils excitent la bête. Tant qu'ils seront là, elle sera là. Et tant qu'elle sera là, on ne sera pas tranquille. Shérif. Oui, monsieur Colmeat. Il faut signer un décret d'expulsion des moutons. Décret? Vous croyez que c'est bien légal? Ici, la légalité, c'est le bœuf. Bernos, le délai d'expiration du décret est passé. Vos moutons doivent quitter la région. Jamais! Alors, tant pis pour vous. Ah! Oh. Vous n'êtes pas nerveux, vous? Non. Bernos! À mon signal! Patron, patron! La bête a mangé une vache! La bête? Quelle bête? Elle a tout avalé! Même le corne! Je suis solidaire dans ta douleur, Colt Meat. Je ramènerai sa peau, même si ça doit être un plaisir voyage. D'où elle vient, cette bête? Mais c'est pas possible, la bête, c'est nous. Il peut pas y avoir d'autres bêtes ici que nous. Je ne vous le fais pas dire. Luc! Ne vous inquiétez pas, la vache est vivante. Et toi, tu es mort.
Arrête-le! Oui? Ben non, mon petit Pete, il en a marre. Vous êtes ridicule. La loi, c'est pas le bœuf, c'est moi. Et moi, je dis que le mouton a sa place, ici. En plus, c'est très bon, le mouton. Tu en as mangé? Il devait se débarrasser des corps. C'était bête de gaspiller de la si bonne viande. Ça se fait pas. Vous avez mangé les moutons? Mais ça change du bœuf. C'était pour le bien de la ville. Le marché de la vache est saturé. Alors le mouton... Le mouton est en plein boom. Associons-nous au col de mythe. L'avenir est à la diversification. Entre la vache et le mouton, il y en aura toujours un pour soutenir l'autre. Vous avez raison. Unissons nos viandes. Yeah! On pourrait faire du poulet aussi. Et du saumon. Hey, des escargots. Avec du chou-fleur. Voilà une histoire qui finit bien. Tant mieux. J'avais du mal à me sentir concerné par cette histoire de mangeur de viande. Je l'aurai un jour, j'aurai cette bête. I'm a bold lonesome cowboy. Chapeau Belcruz, Caballero. The Emperor of the Far West, when he begins, revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Quand vous aurez fini ces cailloux, vous vous occuperez de cela. Là-bas! Oui, Monsieur Joe. C'est un honneur de vous casser les cailloux, Monsieur les Dalton. Avril, arrête de te casser les cailloux. C'est vrai, ça laisse les bosser pour toi. On a une réputation à défendre. Je laisserai personne me casser les cailloux. Ce sont mes cailloux à moi et je me les casse tout seul. Sinon, ce sera mal fait. Imbécile! Bienvenue, cher Billy. C'est un véritable privilège, monsieur Billy, de recevoir un bandit de votre envergure dans notre modeste établissement. Du reste, la maison s'enorgueillit déjà des pires crapules de l'Ouest, les Dalton. Les quoi? Jamais entendu parler. Vraiment? Voilà votre place, votre masse et vos cailloux personnels, monsieur Billy. Si vous avez besoin de la moindre chose, n'hésitez pas. J'espère que vous vous plairez chez nous. Allez, les Dalton, au travail! Vous êtes dans un pénitencier tout de même. Hé, hey, toi, casse-moi ça. Tout de suite, monsieur Billy. Monsieur Billy, laissez-moi vous cacher les cailloux. Ah, bon, monsieur Billy, je suis le roi des casseurs de cailloux. Ah, laissez-moi cacher les cailloux. Monsieur Billy, pouvez-vous me dédicacher le galet pour ma vieille mère? Je sais pas écrire. Oh, monsieur Billy. Hé, hey, toi, mon, faut que je t'explique un truc. Ici, le caïd, c'est moi. Moi et mes frères. Ah ouais? Et t'es qui, toi et tes frères? Les Dalton!
mal au nez, les Dalton. Et je ne laisserai pas un sale marmot à qui on presserait le nez qu'il en sortirait encore du caramel faire ma loi dans mon pénitencier. Je vais. Je suis pas un marmot. Je suis le plus grand bandit de l'Ouest, pauvre nabo. Je suis pas un nabo. Et c'est moi et mes frères le plus grand bandit de l'Ouest. C'est moi et Avorton. J'ai écumé tout l'Ouest du Nord au Sud. C'est moi, Morpion. J'espère la terreur dans tous les états à l'Ouest de tout l'Est. C'est Billy. C'est Joe. Billy. Joe. Ah, c'est moi. Tiens, moi. Quelle figure, Joe. Une armée. Moi, de faillot sans Billy. Ma remise de peinture, Joe. Et alors, j'ai dit au shérif, si t'as une étoile, c'est sûrement pour monter plus vite au ciel. Oh. Et il s'est transformé en étoile filante. Faites semblant de rire. Brillez, je vous dis. On va leur montrer que nous aussi, on rigole bien. Hé, les gars, on dirait que Joe en a une bien bonne aussi. Et alors, j'ai dit ça comme ça, au shérif. Au shérif, oui. si t'as une étoile, c'est sûrement parce que t'es shérif. Ah. Il vieillit, Joe. Ouais, il est old school, ce has-been. Pas comme Billy. Ouais, lui, c'est pas un ringard. Tout le monde sait bien que c'est toi la pire crapule du pénitencier. C'est toi le plus méchant, Joe. Et question bêtise, il t'arrive pas à la cheville. Vous êtes gentil. Je vais lui montrer moi qui est le plus grand bandit de tout l'Ouest. Tu vas descendre, Lucky Luke. Lucky Luke. Et bien sûr, pas vrai. Je t'aime. Que ça a pas la tête. M'en veux. C'est à moi que tu causes, Razmote. Je te lance un défi pour savoir qui est le pire bandit de tout l'Ouest pour de vrai. Laisse tomber, c'est moi. Toi, t'es pas de taille. C'est ce qu'on va voir. D'abord, on s'évade et le premier qui descend Lucky Luke a gagné. Lucky Luke. Top là, Nabo. Hein? Je suis pas un Nabo. Nabo. La réserve de cailloux sur Billy. Mes chaussettes en l'air sur Joe. Mais non, non, sur Billy. La pioche à grand arrêt sur Joe. Mon 13e mois sur Billy Jackid. Ma retraite capitalisation sur Joe Dalton. On sera les premiers dehors. On est quatre à creuser. Et lui, il est tout seul. À toi de creuser, William. Mais Joe, pour creuser, faut que je passe devant toi. Et le tunnel est beaucoup trop étroit. Vous avez bien dit qu'il valait mieux creuser un tunnel chacun, comme d'habitude. Allez, plus vite. Attention, les gardes. Attendez, monsieur Billy, on va vous aider. On a parié sur vous. Bonne chance, monsieur Billy. Bon, on n'a plus qu'à trouver des armes et des chevaux. Pourquoi t'as gardé ton boulet, hein, vrai? Comme ça, on n'aura pas à me le remettre quand Lucky Luke nous ramènera. À nous deux, Lucky Luke. C'est la diligence. Les Dalton et Billy the Kid. On a été attaqués par les Dalton et Billy the Kid dans la même journée. Billy the Kid. Bien, Bibiche, tout va bien. Sam Bullshitter, du Middle of Nowhere City Telegraph. Où cela s'est-il passé? Non loin de Pétoche Gulch. Oh, ça venait d'intervalle. Oh, mon cœur. Je suis là, Bibiche. Et que vous ont-ils dérobé? Rien. Hein? Vous êtes en train de nous dire que vous avez été attaqué par les Dalton et Billy the Kid et qu'ils ne vous ont rien volé? Ils voulaient simplement savoir où se trouvait Lucky Luke. Lucky Luke? Ah!
Lucky Luke. Lucky Luke. Vous êtes bien sûr qu'il s'agissait des Dalton et de Billy the Kid? Absolument catégorique. Ils ont fait un pari. Un pari? Ouais. Le plus grand bandit de l'Ouest sera celui... celui qui vous descendra, Lucky Luke. Ça va être le duel du siècle. Que les Dalton et Billy the Kid veuillent me descendre, c'est pas un scoop. Ce qui m'étonne, c'est que le directeur du pénitencier ne m'ait pas prévenu de leur évasion. Il a peut-être parié, lui aussi. Télégramme pour Monsieur Luke. Ah, tout de même. Dalton et Billy the Kid évadés. Stop. Vous cherchent pour vous descendre. Stop. Que le meilleur gagne. Ça fait chaud au cœur. En piste, old boy. On a encore les quatre plus grands affreux de l'Ouest à rattraper, plus un affreux bonus en prime. Le pari le plus excitant de l'histoire de l'Ouest. Voilà un article qui va faire du bruit. Demandez le Middle of Nowhere City Telegraph. Qui des Dalton ou de Billy the Kid descendra Lucky Luke? 10 ans d'efforts, Gédéon, mais ça valait la peine. La chance nous a finalement souri. Des cavaliers. Les Dalton, ils vont nous voler notre pépite. Non, ils ne l'auront pas. Ils ne l'auront pas. Non. Nous cherchons Lucky Luke. Vous savez où il est? Hein? Lucky Luke? Ouais, vous l'avez vu dans le coin? Non. Allez vite, il faut le retrouver avant ce sale marmot. Non, je veux pas de votre argent et je veux pas voler l'or du fourgon blindé. Je veux seulement savoir si quelqu'un sait où je peux trouver Lucky Luke. Je fouillerai l'ouest du nord au sud, mais je le trouverai. Je vais te régler ton compte, morveux. Mais Joe, je croyais que c'était Lucky Luke qu'il fallait descendre. Lucky Luke, on le descendra après. Il y a que les Avrel qui changent pas d'avis. Mais Joe, si tu descends Billy, on saura jamais qui c'est le plus grand bandit de l'Ouest. Au contraire, crétin, si je le descends, il restera plus que nous pour être le plus grand bandit de l'Ouest. Bah, et le pari? Et Lucky Luke? Je suis là. Elle, ne touche pas à ton colt. Aïe! Lucky Luke! Lucky Luke! Lucky Luke! Tu devrais être content, Joe! Tu l'as enfin trouvé! Quand on me cherche, on me trouve. Lâche ton arme, Lucky Luke! J'ai mon colt pointé sur ton omoplate gauche! Je vais te descendre, Lucky Luke. Alors, les minables, qui c'est le plus grand bandit de l'Ouest? Hein? C'est moi! J'avais un deuxième revolver, j'allais le descendre, il est à moi! Ah non! Il est à moi! C'est exact, Billy. Je n'avais pas vu que Joe avait un deuxième revolver. Normalement, c'est lui qui aurait dû me descendre. Mais je dois reconnaître que Billy m'a surpris, alors que je vous avais surpris. Et maintenant que je suis désarmé et que vous pouvez tous les deux me descendre facilement, ça ne prouverait plus rien. C'est un match nul, en somme. Quitte à me faire descendre, j'aurais aimé l'être par le plus grand bandit de l'Ouest. Hélas, on ne saura jamais qui c'est. C'est moi! Non, moi! Laissez mijoter quelques secondes. Impossible de trancher. Puis retirez du feu. Mais il y a peut-être une solution. Quelle solution? Trouvez une autre épreuve pour vous départager. Le vainqueur me descendra. Au lieu d'être l'épreuve, je serai le gros lot. Quelle épreuve? Eh bien, par exemple, celui qui fait le plus peur aux honnêtes gens. Sans même avoir à les menacer. C'est moi! Non! Moi! Il n'y a qu'à aller à la ville la plus proche et faire le test. Il y a une entourloupe. Chaque fois que je t'ai écouté, il y avait une entourloupe. Ah, t'as les voix! T'as peur de perdre! Joe Dalton n'a pas les voix! Pétoche Gulch. Avec un nom pareil, cet endroit me paraît idéal pour notre petit concours. Je vais aller me poster au milieu de la grande rue pour faire l'arbitre. À mon signal, les Dalton la prendront par l'est et Billy par l'ouest. Vous vous rejoindrez au milieu et celui qui aura comptabilisé le plus d'honnêtes gens effrayés aura gagné et me descendra. Super! J'en jubile d'avance. Ok, mais tu vas y aller à pied. Et pas d'entourloupe, on t'a à l'œil. Je suis
presque hors de portée de leur colt et ils ont le soleil en face, mais je dois faire vite. Où sont les habitants? Cette ville a l'air déserte. Hé, hey, l'ami! Aide-moi à me détacher! J'ai rien vu! J'ai rien entendu! Shérif! Shérif! Où est passé ce coyote de Luc? Shérif, je suis Lucky Luke! Vite, aidez-moi! Ce tonneau est vide! Vous faites d'erreur! Dernier espoir, le salon. Ah! Je le vois qui court! Qu'est-ce qu'il attend pour donner le signal? Où est passé Lucky Luke? Vous le voyez, vous? Nojo! Il nous a doublés, j'en étais sûr! En avant! Mais Joe, c'est de la triche! Faut attendre le signal! Oh, les tricheurs! Ils sont partis avant le signal! Aidez-moi à me détacher! Les Dalton et Billy the Kid sont à l'entrée de la ville! Petosh Gulch. On peut dire que cette ville portait bien son nom. Lucky Luke, tu m'auras plu avec ton baratin! Je te descends d'abord et ensuite je t'écoute! Reviens ici, tricheur! J'ai bien regardé partout! On a effrayé personne pour le moment! Lucky Luke, où t'es passé? Et le plus grand cheval de l'Ouest, c'est qui? Oh! Où vous vous planquez, bande de tricheurs? On n'entend plus rien. Faudrait peut-être aller voir. Pas la peine. Levez juste les mains, ça sera moins fatigant. En route pour le pénitencier. Je me souviendrai de cette ville de Froussard. J'aurai ta peau, Lucky Luke! Non, moi j'aurai ta peau avant lui! Et puis j'aurai la tienne, sale mioche! Non, c'est moi qui aura la tienne, pauvre Minus! I'm a poor lonesome cowboy. Ce n'est pas normal, d'habitude l'histoire dure plus longtemps. Dernière édition! Tout le Nouveau-Mexique se passionne pour le pari du siècle! 50 en Vélie Jacqueline! 3 mois de solde sur les Dalton! Les économies et affichus au crochet sur Billy the Kid! Un traité signé de la main du grand chef blanc sur les Dalton! Demandez le Middle of Nowhere City Telegraph. Qui des Dalton ou de Billy the Kid est le plus grand bandit? Qui descendra Lucky Luke? Mais que voulez-vous que j'en fasse? Les garder dans votre cellule jusqu'à demain matin. Votre métier, c'est bien shérif, non? Mais le duel du siècle! Les paris! Il a des quarts de portion! C'est quand la soupe? Voyons, monsieur Luke, tout le monde a parié ici! Ça peut pas finir comme ça! On ne saura jamais qui est le plus grand bandit de l'Ouest! Je vous rappelle que l'enjeu de ce pari était de m'abattre. Bah ouais! Vous auriez pu faire un effort! C'est vrai ça, vous ne pensez qu'à vous! Et... C'est un plaisir de protéger des gens comme vous des crapules. C'est quand même pas un justicier qui va faire la loi chez nous! C'est bon, il a tout mangé, il dort. Tu es sûr qu'il a mangé le somnifère? Oui, je lui ai mis une dose de cheval, n'ayez pas peur. Alors, parlons peu, mais parlons bien. À voix basse, on ne sait jamais avec un cheval comme Lucky Luke. Ils viennent pour nous lâcher! Mais que fait Lucky Luke? Allez les Dalton! 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 Cher Dalton, cher Billy, de très fortes sommes ont été engagées sur vous. L'élection du plus grand bandit de l'Ouest est un sujet qui nous passionne. Mais sans tuer Lucky Luke, ce n'est pas politiquement correct. Et il risquerait de se fâcher. Aussi, avons-nous décidé de décerner le titre de plus grand bandit de l'Ouest à celui qui rapportera d'ici ce soir le plus gros butin. Alors messieurs, pillez, volez, attaquez. Surtout toi, Billy. Hein?
J'offre un mois de consommation gratuite aux gagnants. 3 kilos de sucre d'orge. 6 mois d'abonnement gratuit au Middle of Nowhere City Telegraph. Et moi, un cercueil entièrement capitonné. Que le plus mauvais gagne. Ya yeah yeah. Ouais, j'ai ça. Ils nous ont dit de piller. Ouais. Ils nous ont dit d'attaquer. De voler. Ouais. On pourrait m'expliquer. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent. Ils viennent attaquer la ville. Oh, viens! Oh, viens! Le fric! Et que ça saute! Hé! Hey, c'est pas ton tour! C'est les honnêtes gens qui attendent leur tour! Moi, je suis le plus grand bandit de l'Ouest! Quelle idée de garder ce satané boulet! Yeah! Alors, qui c'est le plus grand bandit de l'Ouest? On ne bouge plus. Désolé, Billy. On a parié sur vous! Les mains en l'air! Nous, on a parié sur Billy. Nous autres sioux avons parié sur petit Dalton Teigneux. Ouais! Merci, grand chef! Notre favori à nous, c'est Billy. Il est si mignon avec ses taches de rousseur. Désolé, Billy, j'ai parié sur... Désolé, mais je crois que ce qu'il y a dans ce sac dépasse largement le montant des paris. Monsieur Luke, réveillez-vous. Ils sont tous devenus fous. Monsieur Luke, Monsieur Luke, vite, il faut faire quelque chose. Monsieur Luke, il faut vous lever. Sauvez-nous. C'est vous le justicier. Du café, quelques litres. Nous sommes confus, Luke et Luke. Faut nous comprendre, nous avons si peu de distractions par ici. Hein? Oui, c'est ça, du café salé. Une autre. Y'en a marre de ce concours idiot. On va régler ça dans la tradition, entre crapules du même monde. T'as raison. Y a un plus grand bandit de l'Ouest de trop dans cette ville. Moi, j'en vois deux. Hein? Mes bottes réglementaires sur Billy. Ma bannière étoilée sur les Dalton. Une couverture typique sur Luke et Luke. Je m'occupe de Luke. Occupez-vous de Billy. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'occupe de Luke et nous de Billy! Non, moi je dégaine plus! Ça me fait mal aux pieds! Tu te dégonfles encore, Nabo! T'as tellement peur de moi que tu demandes à tes frères de faire ton boulot! Ok, tirez sur Luke! Moi je m'occupe du sale marmot! Attends, Joe, j'ai rien compris. On tire sur qui au juste? Dans le tas! On tire dans le tas! Je vous déclare ex aequo en tant que plus mauvais tireur de l'Ouest. Allez, entre. Ils vont être déçus, les copains du pénitencier qui ont parié pour le plus grand bandit de l'Ouest. La ferme. Merci, Lucky Luke, de nous ramener ces 5 galopins. Savez-vous que nous avons accueilli dans nos murs le plus grand bandit de l'Ouest? Aïe, qui m'a marché dessus? I'm a bold lonesome cowboy.